Alors, أنا أول حاجة أنا فرحان بالبارتيسيباسيون ديال التروفي على سان دو باسكو ils ont pris les trois meilleurs joueurs marocains donc كنت أنا parmi les trois premiers joueurs donc c'était une bonne expérience هاد السنة هادي ما لعبتش في المستوى ديالي اللي بغيت نلعب فيه الباركور كان صعيب شوية les conditions ديال الباركور كانوا plus dur que l'année dernière, les greens, les changements de leader sur le parcours, donc ma t'aqlemtch ma'ahom bzaf, mais عطيت حاولت نعطي المجهود ديالي كامل. Voilà, j'ai pas pu passer le cut, j'ai fait plus 7 sur 2 jours. Je rate le cut de 3 coups. Ça reste un score honorable sur un parcours pareil parce que sur un tournoi comme ça. Donc voilà. C'est l'année prochaine inchallah ça sera mieux. J'ai un tournoi la semaine prochaine inchallah le même parcours. C'est un tournoi entre nous, c'est un tournoi marocain Dominium. Donc c'est une expérience de plus, c'est le tournoi que j'ai fait. Donc ça va m'aider pour pouvoir bien jouer la semaine prochaine inchallah. Ouais, j'ai des objectifs, j'ai pas mal d'objectifs, de court terme, moyen terme et de long terme. Donc le fait de jouer des tournois de l'European Tour avec des grands joueurs, j'ai eu la chance de jouer avec deux vainqueurs du Trophée Hassan II, les Marcel Sim ou Richie Ramsey, les deux grands joueurs qui ont déjà gagné sur l'European Tour, ils ont déjà gagné le Trophée Hassan II. Donc j'ai gagné beaucoup d'expérience le fait de jouer avec eux. Ça va m'aider à progresser, ça va m'aider à viser le plus haut niveau. Donc là, actuellement, je joue le Pro Golf Tour, la troisième division. Là, le tournoi que je viens de faire cette semaine, c'est première division. Donc c'est toujours pas facile. Mais c'est une bonne expérience pour que qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois améliorer pour inchallah un jour d'atteindre mon objectif.